Are in no way connected from outside this world. <laughs> what? Right, and that's <laughs> just a truth. Government has made contact with intelligent extraterrestrials. Bonsoir mes très chers explorers, mes très chers checkers, pour tous ceux qui ont connu la vieille époque. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir notre très cher ami Jeffero. Hey bonsoir Jeffero. Euh, bonsoir Baptiste, comme euh, t'appelles tes invités anglo-saxons. Euh, ben, comment ça va Crevé, absolument crevé. Bon, eh ben c'est bon signe, parce que vous savez, quand Baptiste est crevé, ça veut dire qu'il se passe beaucoup de choses sur la panosphère, l'ovnisphère... La panosphère, bon, pan euh... panosphère j'aime beaucoup Panosphère, c'est pas mal, hein, sauf que, que oui, chérie, oui panosphère, ça passe, voilà. Euh, donc, donc voilà, ça veut dire qu'il se passe des trucs, c'est-il pas vrai C'est clair, c'est clair, il y a même eu une avalanche de trucs en 4 jours, en fait euh, donc on va essayer de sortir la hache de débunkage et puis de, de, de tailler dans la jungle d'informations qui s'est présentée à nous, comme dirait le pro-chevalier Lancelot. Tu sais qu'à chaque fois que tu fais un live, tu commences par exactement le même discours. Alors là, on a beaucoup de travail les enfants parce qu'il y a plein d'infos qui sont tombées ces trois derniers jours, ce qui signifie que depuis deux ans, ça n'arrête pas, on est sur une courbe euh, de progression qui... qui, 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 fin, qui qui est ininterrompu, ça va bien finir par péter dans une pipe en bois, voyez, au bout d'un moment. Donc voilà, bah, c'est bien, ça stagne pas. D'autant plus que d'habitude il y a plutôt une sorte de période d'accalmie dans les deux premières semaines de janvier. Et là, mais ça n'a pas arrêté d'envoyer des torpilles euh, jusqu'au dernier jour d'opération de, du Congrès. Il y avait des torpilles qui partaient et au premier jour des opérations du Congrès, il y a toujours des torpilles qui partent. Donc là, en effet, on peut dire que ça, ça éclate de tous les côtés. Et euh, quand on va devoir faire le résumé de l'année dans un an, on va bien galérer, je pense. Bien, très bien nous, bah, c'est un bon problème. Avec notre très cher David Gauche, qui est revenu sur la scène puisqu'il a donné une conférence en privé euh, pour des pontes de Wall Street. Comment est-ce que tu as considéré cette information quand elle est apparue sur notre radar? Ah bah évidemment, moi j'ai pas eu le, 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 le script total de la. Enfin, je crois pas que, que quiconque l'ait d'ailleurs. Hein, on ne sait pas exactement tout ce qui s'est dit. J'ai vu passer des, des bribes par-ci par-là, euh, mais simplement le seul titre que, quelque part que tu viens, viens de donner, le fait qu'il brief des pontes de Wall Street, euh, euh, écoute, est intéressant parce que on sent que le bonhomme David Rush cherche à intéresser les gens qui comptent après être allé voir d'abord l'inspection générale de la Défense, puis celle du renseignement, et euh, eh bien il s'est euh, publiquement euh, exprimé face au Congrès, donc il cherche à euh, voilà, intéresser la représentation nationale, il cherche aussi à intéresser bien sûr le grand public, puisqu'il a donné euh, d'abord une interview face à Ross Coulthard, le journaliste sur la chaîne News Nation, et puis Vladipak maintenant il s'adresse directement à des gens de Wall Street, donc on, on suppose des gens euh, en lien avec le monde de la finance qui comptent, bah, qu'on le veuille ou non, euh, pour le meilleur et pour le pire, parmi les, les, les gens qui comptent hein, de, de nos jours. Donc j'ai un petit peu l'impression, comme ça vu de l'extérieur, que David Grush euh, eh ben, est en train un petit peu de, de, de jeter euh, un filet le plus large possible auprès de sphères d'importance pour que le message devienne euh, incontournable. Qu'est-ce que tu en penses alors j'ai envie de dire qu'il faudrait, à mon avis, hein, retourner la situation. Ce n'est pas que David Grosch cherche à briefer les personnes de Wall Street, c'est les personnes de Wall Street qui cherchent à être briefées par David Grosch. quest ce que je, qui te que fait je, penser que je ça beaucoup plus intéressant. En fait, c'est écrit dans l'article. Que je, dont je vais vous lire euh, un extrait euh, incessamment sous peu, et que j'ai trouvé dans le, le vide absolu d'informations qu'il y a à l'intérieur de cet article de 1500 mots, qu'il y avait trois phrases qui étaient intéressantes. Euh, donc, euh, cette conférence était animée par un gros bonnet de Wall Street et son ami avocat. Il s'agissait d'une sorte de petite discussion de salon. Euh, David l'a également fait gratuitement. Il est même allé jusqu'à prendre l'avion pour New York juste pour cela. Il n'était arrivé que quelques heures auparavant et était reparti le lendemain à la première heure. L'idée était de réunir un groupe de sceptiques et de croyants de tous horizons pour une conférence à propos de David et de ses déclarations. La plupart des personnes qui sont parties l'ont fait en tant que croyants. Bien que les questions exactes qui lui ont été posées ne soient pas connues, on pense qu'elles portaient sur l'apparence des extraterrestres et sur leur origine dans l'univers. Grosch a déclaré que le monde ne serait pas surpris que d'apprendre que les extraterrestres ont l'apparence grise typique et qu'il y a une chance qu'ils soient extradimensionnels selon le message du participant à la conférence sous réserve d'anonymat. Il est également possible qu'ils aient cette apparence en raison de la technologie qu'ils utilisent plutôt que d'être de véritables êtres extradimensionnels, poursuivent-ils. M. Grosch aurait également révélé que lui et d'autres fonctionnaires avaient appris à repérer les pans dans l'atmosphère, les engins émettant une fréquence ou une signature unique. Voilà, c'était les trois phrases intéressantes de l'article. Ah. Moi, je pense qu'il y a quand même pas mal qui sont à l'intérieur de ça, puisque on a des. Désolé, j'ai le chien qui vient de débarquer en furie. Euh, on a quand même la mention qui est très rare, je pense, que je l'ai vu écrit, je crois, que deux fois jusqu'ici, qu'ils euh, aient cette apparence en raison de la technologie qu'ils utilisent, plutôt que d'être de véritables êtres extradimensionnels. Puisqu à partir du moment où on parle de technologie, on a toutes les industries de la défense qui commencent à se mettre en route, et que là, d'un coup, le stigma disparaît, puisqu'il y a un énorme potentiel technologique à développer. Je pense qu'il faudrait qu'on en dise davantage sur ce qu'il entend par euh, la façon dont ils apparaissent, laisse penser qu'ils sont euh, interdimensionnels. De, quels sont les symptômes de cette apparition alors, euh, y a, alors, à chaque fois, j'oublie le numéro de l'épisode, mais il y a un épisode de Star Trek qui montre ça euh, en faisant une sorte de mise en abîme. C'est-à-dire que vous, avez, je crois que c'est Voyager qui euh, rentre dans une bulle. Euh, de d'espace de, de, euh, et rencontre une civilisation qui n'existe que dans deux dimensions, c'est-à-dire que leur univers est plat. Or Voyager est un vaisseau qui existe en trois dimensions d'espace et une dimension de temps, et donc ils traversent cet espace plat en eux le voyant de dessus, mais comme dans l'espace à deux dimensions il n'y a pas de dessus, ils sont complètement invisibles. À ce qui se passe. Par contre, ils peuvent interagir avec cet espace à deux dimensions et s'ils envoyaient un laser, ça apparaîtrait comme une boule d'énergie au sein de cet espace, alors qu'en fait, c'est émis depuis une troisième dimension d'espace. Donc, l'idée de l'interdimensionnalité telle que c'est écrit là, c'est qu'il suffit de considérer qu'il existe une quatrième dimension d'espace qui nous est imperceptible à nous, puisqu'on a des sens qui sont limités à trois dimensions d'espace. Mais mathématiquement possible, hein. vous avez la théorie des supercordes qui a besoin de 11 dimensions, par exemple, pour fonctionner, même si ce ne sont pas des dimensions entières de coordonnées, ce sont des dimensions qui se referment sur elles-mêmes. Mais on peut mathématiquement imaginer des espaces à 4, 5, 6 dimensions d'espace, simplement vous rajoutez des points de coordonnées. Dans un espace à deux axes, vous avez deux coordonnées, x et y. Quand vous avez trois axes, vous avez x, y et z qui vous donnent le point de coordonnées dans l'espace. Vous pouvez très bien imaginer qu'on rajoute une dimension a qui vous donne un quatrième point de coordonnées dans l'espace, même si vous ne pouvez pas le représenter visuellement en tant que tel. Donc c'est ça qu'on appelle l'extradimensionnalité le, de façon assez simple. Et donc c'est ça qui expliquerait euh, dans le cadre de cette théorie euh, les caractéristiques, les performances des ovnis observés, le fait qu'ils apparaissent, qu'ils disparaissent, qu'ils deviennent translucides, qu ils, qu ils, voilà ça qui aurait. Euh... Il y a d'ailleurs un autre épisode de Star Trek qui est très intéressant puisque ça montre euh, un être qui est piégé, qui ressemble à une sorte de gros cristal, qui est piégé entre deux dimensions et qui du coup apparaît comme étant semi-transparent, euh, de physique à moins physique puisque il est dans une sorte d'espace liminal et membranaire dont on entend aussi beaucoup parler, c'est-à-dire. Euh, que pour passer de cette quatrième dimension d'espace virtuel, pour la peine, à nos trois dimensions d'espace perceptible, il faut quand même qu'il y ait une décharge d'énergie qui se produise et ce que nous, on appellerait une matérialisation, mais qui est en fait un déplacement. Je ne sais pas d'où je sors mes phrases. C'est pas mal, c'est pas mal, franchement. <laughs> je dirais qu'à à mon niveau, j'ai compris à peu près 17% de ce que tu as dit je trouve que, euh, franchement, c'est plutôt un bon ratio. Voilà. Magnifique, magnifique, je, je prends le 17%. Euh, donc, euh, ensuite, ce qui est intéressant pour moi, c'est que, mine de rien, il parle de l'apparence de ces êtres et il les définit comme des petits gris typiques dont on entend beaucoup parler. Euh, ce qui, en soi, est, à ma connaissance, euh, la validation par l'ancien membre de renseignement du plus haut grade que l'on connaisse de l'apparence de ces êtres. Oui, oui, d'accord. Oui. Euh, et évidemment, on a quand même la mention de euh, la gratuité, et ça, il faut savoir que c'est pas euh, innocent, c'est-à-dire que mine de rien, aux États Unis, tous monnaient. Euh, Grosche, quand il a quitté le service de renseignement, il a dit aussi au revoir à sa retraite, il a dit au revoir à son emploi, alors qu'il avait passé toute une carrière à l'intérieur. Et donc là, on a quand même la mention qu'il fait ça pro bono parce que des personnes importantes demandent à être préfées sur le sujet. Donc je pense que ça vaut aussi la peine de le rappeler. Absolument. Non, mais je veux dire, c'est un truc qui est, qui est complètement passé à la trappe. Le fait que euh, David Rush et avant lui Lou Elizondo, euh, en, donc en 2017, ont démissionné de la. F... Bon, on peut dire c'est la fonction publique. Enfin, que, enfin toi, tu es fonctionnaire, c'est comme si tu décidais de démissionner. Euh, pour porter un message. Enfin, qui est capable de laisser tomber une carrière en plus une, une carrière Enfin, c'est un poste en or quand vous êtes au Pentagone, quoi. Enfin, euh, moi je le ferais pas personnellement, vous voyez, je ne mettrais pas en jeu euh, ma, mon gagne pain euh, pour le bien public. Ben, voilà, c'est ce que semble-t-il, on fait des big chez et Louis Ando. Donc je trouve qu'ils partent euh, avec, en tout cas pour moi. Euh, un comment dit-on euh, un bénéfice du doute clairement tout à fait, tout à fait. Euh, ensuite nous avons euh, pff, alors, euh, quel mensonge on traite en premier euh... non, je, il y a juste une information qui est que je trouve intéressante ouais. que tu as que as dit dans l'article euh, je me rappelle pas précisément mais et, il parlait de la fonction qu'il occupait au sein du N, NG, je ne sais plus, NGO, GEO, vas-y aide-moi là, euh, GEO Spatial. Il euh, y avait le NRO et le NGA. Voilà, bah c'est le Geospatial, donc ça doit être le, le, Ngo, le NGA. Ouais. Le NGA, voilà. Et donc il, il est dit dans cet article que euh, dans le cadre de ses fonctions, il était chargé de trouver des moyens de repérer des pans dans l'atmosphère, c'est ça qu'il qu dit dans l'article donc ils ont trouvé des moyens de repérer les pans d'après leur signature qui est unique dans l'atmosphère. Voilà, c'est intéressant. Donc à, oui. à, à ton avis, Mais de ça quel on l'avait déjà entendu de... par la peine. C'était quelque chose qui était déjà connu. Mais est-ce que tu as une théorie sur le type de signature qu'ils ont trouvé Est-ce qu'on parle d'une fréquence euh, comme celle on, dont on entend parler euh, au Skinwalker Ranch, ils ont cette fameuse fréquence de 1,6 GHz, à chaque fois qu'il y a un pan qui apparaît, ils entendent cette fréquence-là, et inversement, quand ils produisent la fréquence, souvent ça fait apparaître des pans. Est-ce que tu penses qu'on est sur ce genre d'élément-là bah, La toute première fois qu'on avait entendu parler, c'est quand l'armée euh, italienne avait déclaré à Lou Elizondo. Qu'ils euh, avaient détecté un moyen de, de savoir quand est-ce que ces objets allaient se balader par rapport à leur signature, et même qu'il y avait certains moments où ils étaient vulnérables à des tirs domiciles, en fonction de la modulation de cette signature. Donc, c'est quelque chose qui remonte à très loin, hein, ça fait euh, trois ans maintenant, donc c'est quelque chose qui a été connu. Euh, là, je pense que ce qui est plus intéressant à l'intérieur, c'est la notion de track, c'est-à-dire que non seulement ils peuvent les localiser, mais ils peuvent les suivre. Euh, et qu'il dit dans sa, dans sa phrase que oui, il parle de fréquence, mais aussi de signature, c'est-à-dire que ça peut très bien être le rayonnement thermique. Euh, par exemple, quand vous avez un objet qui rayonne thermiquement par le bas, mais que vous n'avez pas d'échappement de fusée et qui se déplace longitudinalement, vous pouvez déjà considérer que c'est une bonne signature de pensée. C'est ce qui avait été montré au représentant euh, Matt Gates lorsqu'il avait, lorsqu avait obligé l'Air Force à le briefer sur le sujet. Et c'était les images thermiques qu'on lui avait montrées qui montraient cette signature, par exemple. C'est intéressant parce qu'on peut imaginer qu'à partir du moment où on est capable de repérer et de suivre un pan, bah tout à coup, il devient plus facile à abattre, à récupérer. Et il devient plus facile de, de bosser dessus et d'enfiler une épave qui a un Lockheed Martin ou alors un Lockheed Martin ou même peut-être pourquoi pas un Lockheed Martin ou une autre entreprise d'aérospatiale pour bosser dessus puisque vous savez c'est l'accusation qui flotte euh, dans les milieux autorisés voilà. tout à fait tout à fait tout à fait alors dans les autres en fait on va faire du plus solide au moins solide en un sens euh, on a une... déjà par Le... quoi tu vas finir alors ah bon moi non jamais euh, je, je ne vois absolument pas de, de quoi tu veux dire il faut. Ah, je pourrais accrocher une hache sur un mur en, en symbolisant le débunkage, ce serait mignon. Euh, on a donc le représentant Stephen Lynch qui a été interviewé sur NBC 10 ah ouais. Boston sur le sujet des pans, et il se trouve que on a appris quelques petits trucs qui sont absolument minimales puisqu'il il a dit deux phrases en tout, mais en gros que. Oui, c'était un sujet intéressant, qu'il fallait que euh, les politiques américains s'emparent du sujet et que euh, les pilotes, qui étaient des gens très sérieux, les voyaient effectivement. Et mine de rien, il n'y a pas eu des masses d'hommes politiques aux États-Unis ou même sur la planète qui ont dit ça ouvertement à des journalistes pendant une interview. Donc je pense que pour la peine, bah, kudos au représentant Stephen Lynch pour avoir euh, sorti sa tête hors du trou et euh, sous, sous peine de parfois passer à la, la moissonneuse batteuse, puisqu'on sait par exemple que euh, le représentant Tim Burchett, par ses prises de position, s'est attiré les foudres du parti républicain et qu'il a un, un opposant républicain qui se présente contre lui lors des prochaines élections. Enfin, est-ce Le... qu'il s'est attiré les foudres du Parti républicain dans son ensemble ou est-ce que c'est juste Mike Turner qui est parti euh, à sa poursuite bah, En fait, quand tu t'attires les foudres de ton supérieur hiérarchique, tu t'attires les foudres du Parti. Hein. C'est comme ça que ça marche dans un parti politique. Oui, mais tu vois, ma question c'est est-ce que tu penses que Mike Turner euh, agit euh, de concert avec sa hiérarchie, euh, la hiérarchie républicaine euh, Est-ce que tu penses que Trump... Euh, est allé se concerter avec Mike Turner pour lui dire « Toi, tu vires Verchette ». Moi, bon, j'ai pas l'impression. J'ai plutôt l'impression Mais... que Mike Turner il est dans son coin, avec ses financiers derrière qui le, qui le soutiennent. Euh, et il a un petit peu son sa... enfin, son, comment dire son église à lui. quoi et Trump n'est tellement... pas un archonte ou un hiérarque du Parti républicain. C'est plutôt un outsider qui a piraté leur système de communication. D'accord, mais de fait, est lui, est, il est devenu le, le. Il a complètement hijacké le Parti républicain. Euh, donc, il, il est de fait le leader. D'ailleurs, il va encore être le, probablement le candidat. Non, si je, suis, je, je suis pas d'accord là-dessus. Hein. Il, il est presque neutre hein, au niveau politique parce que quand tu regardes ses réformes, alors évidemment, c'est à droite, hein, on pas se cacher, mais c'est plutôt euh, les réformes qui lui donnent un attrait euh, politique. Si la réforme lui donne un attrait politique et qu'elle est de gauche, il va le faire. Il est relativement je, simple. Je, je suis d'accord avec le... toi, il n'est ni républicain ni démocrate. C'est Donald Trump, c'est tout, il s'en fout, il... <laughs> il ne pense qu'à une seule chose. Ah, on avait dit qu'on ne ferait pas de politique. Euh... Bon, tout ça pour dire que euh, moi, je, je vois pas euh, la manœuvre de Mike Turner euh, comme étant orchestrée au niveau de son parti. Ça, ça me paraît, ça me paraît curieux. Ça me paraît Alors bizarre. moi, ma position, c'est que comme Mike Turner fait partie de l'intelligence du parti républicain, du coup, il s'attire les foudres du parti républicain puisque un des leaders des partis républicains veut lui dégommer la gueule. Ok, si tu veux. C'est mon point de vue. Ok, d'accord. Ensuite, nous passons à un excellent article par Newsweek qui décidément ça fait, il monte en pression à chaque article qu'il publie. Et euh, qui, pas euh, pas. Qui, qui vient d'être repris par Veux Débrief, mais euh, kudos à Newsweek qui ont les premiers sortis d'informations. Et donc, nous avons un pilote qui reporte avoir croisé un triangle mystérieux euh, et dont on a les enregistrements audio je vous dis ça tout de suite. Euh, tech. Ah, c'est descendu. Non, désolé, je descends dans mon document. Voilà, c'était là. Euh, L'enregistrement commence par la voix du pilote qui dit 30.024 est passé au nord-ouest. Nous avons observé quelque chose d'environ 10 mètres de haut. Je ne suis pas sûr de ce que c'est à une altitude comprise entre 2200 et 2400 pieds. L'incrédulité est perceptible dans la voix du, fonction... du contrôleur aérien qui lui répond, Vous avez dit que c'était haut de 10 mètres Réponse du pilote, C'était assez grand, probablement une dizaine de mètres de haut. Il allait dans la direction opposée à la nôtre, explique le pilote. Le contrôleur reprend, N025, se déplaçait-il à grande vitesse Le pilote répond, Il s'éloignait, affirmatif pour 3024. 30 les deux hommes commencent alors à discuter de la descente programmée de l'avion. Avant que l'officier ne demande Aro 024, à quoi ressemble l'objet Le pilote répond ah, C'est difficile à décrire, c'était euh, grand et, et pointu. Le contrôleur pose la question Comme un triangle Le pilote répond Il avait la forme d'un triangle. Euh, en bas et au-dessus, c'était plat. Je, je, je ne suis pas sûr de ce que c'était, j'en ai une photo. Et le, le 30-024 ne semblait pas présenter de danger. Le contrôleur reprend Cherokee-024, euh, cet objet était à environ 100 mètres de vous Réponse du pilote Il était assez loin de nous, il était juste assez visible pour que les autres avions soient mis en garde. Le contrôleur demande alors le numéro du pilote afin de pouvoir demander à son superviseur de l'appeler si nécessaire avant de donner au pilote le numéro de son superviseur. Plus tard, il revient à la radio pour dire ⁇ N024, oui, mon superviseur a dit ⁇ Inaudible ⁇ Je veux m'assurer que tout est sûr là-haut pour que les futurs avions qui passeront par là soient sécurisés. Appelez-le une fois que vous serez au sol, en sécurité, s'il vous plaît. Le pilote répond ⁇ Roger, je le ferai. Merci, » Donc, euh, on, on pourrait se poser la question de la communication, mais euh, le, le fait d'échanger les numéros de téléphone, c'est pas ultra usuel. C'est généralement quand il y a un pépin hein, qui le font pour euh, qu'il y ait des conversations qui euh, soient libérées des ondes radio qui sont euh, entendues par tout le monde. Généralement, c'est quand il y a euh, un, un pilote qui a fait une connerie et qui va se faire engueuler par la tour de contrôle et qui se prend une, une amende ou une sanction d'ailleurs. Mais par contre, euh, la légitimité du pilote était totale, puisque quand vous êtes dans un espace aérien qui est en plus sous contrôle direct des contrôleurs aériens et que vous voyez un objet qui n'est pas déclaré, euh, qui n'a pas de plan de vol et qui, ne... qui est à une très courte distance, hein, 100 mètres pour des avions, c'est très très proche, même s'il dit que c'était loin et qu'il n'était pas en danger. 100 mètres, quand vous avez un objet de 10 mètres qui se balade près de votre engin, vous n'aimez pas du tout, du tout, du tout qu'il que, qu soit, qu soit non identifié. Pardon. Et donc, on a cette information qui sort par un site qui est spécialisé dans la diffusion d'enregistrements de contrôleurs aériens et repris automatiquement par Newsweek. Je trouve que c'est une très bonne chose puisque ça montre qu'en fait, on a des canaux d'information qui sont en train de se libérer du stigma qui nous posait autant de problèmes et qu'on a en effet des pilotes qui voient des objets. Et alors qui rappelle, qui rappelle des centaines de cas hein, pour la peine, euh, que ce soit conventionnel ou non, on voit que là au moins on a le transfert d'informations entre les pilotes, les tours de contrôle et le public. Alors, pour modérer un tout petit peu euh, l'enthousiasme, le, le, euh, même si c'est un, un super document audio, je, vraiment, je vous invite à aller l'écouter, parce que évidemment, même si Baptiste l'a lu avec énormément de talent, hein, le, le, je crois que les, les nominations au César, c'est dans pas très longtemps, euh, je suis ça comme ça, je glisse au passage, euh, entendre la voix euh, du mec qui est vraiment en train de rapporter ce qu'il a vu, euh, c'est toujours un bon moyen. De vous faire votre opinion sur la véracité des choses qui sont rapportées, euh, c'est toujours mieux de, de façon générale. C'est toujours mieux d'aller chercher l'information à la source, mais encore plus lorsque vous avez un témoignage enregistré, vous avez accès aux émotions du gars, euh, et je trouve que une fois de plus dans ce cas-là, c'est intéressant. Euh, là, si je ne m'abuse, c'est pas un pilote de ligne, c'est un pilote privé, hein, c'est ça Oui, oui, c'est ça. Voilà. Je suppose que euh, le la peur de s'exprimer est moindre quand tu es pilote privé et que tu n'as pas à craindre d'être mis au rencart par ton employeur euh, que quand tu es voilà pilote de ligne. On sait que c'est arrivé par le passé. Il y a un, y a un fameux cas en 1986, je crois, d'une euh, compagnie japonaise en mmh. Alaska, un pilote de Boeing 747 qui a vu un, un truc immense et qui en a parlé et qui, qui a perdu son emploi voilà, à cause de ça. Euh, donc, bon, espérons que les pilotes de ligne euh, se sentent aussi libérés que ce pilote privé. On sait que la tendance, en tout cas, est clairement à la libération de la parole, euh, et probablement euh, en partie grâce à l'initiative de Ryan Graves, pilote lui-même, ancien pilote de la Navy, qui vient de monter, enfin qui a monté il y a. Peut-être un an, je crois, quelque chose comme ça. Mmh. Euh, son association Americans for Safe Aerospace, quelque chose comme ça, les Américains pour la sécurité aérienne, et euh, qui se fait le, un petit peu le porte-parole de, de, de tous les pilotes des États-Unis et même du monde entier, puisqu'il en parlait dans un documentaire encore aujourd'hui. Euh, il a des pilotes du monde entier, de tous les continents, qui le contactent pour lui faire part euh, de, de choses qu'ils ont vues. Donc clairement, la parole se libère dans les airs. Et c'est quand même pas mal parce que souvent les ONI, ben, comme leur nom l'indique, ils sont dans les airs. Tout à fait, tout à fait. Euh, information suivante. Donc là, on commence à aborder le stade des rumeurs, hein, pour être tout à fait honnête. Euh, une source anonyme confie au Daily Mail que les représentants du Congrès américain vont se faire enfumer par la communauté du renseignement lors des prochains briefings secrets qui seront organisés pour accéder au, à l'enquête de l'inspection générale du renseignement sur David Grosch. Donc voilà, je vous ai résumé tout l'article qui est vraiment une arnaque pour la peine, parce qu'ils ont mis euh, une image, une ligne de texte, une image, une ligne de texte, c'est n'importe quoi cet article. Euh, globalement, c'est l'ensemble des informations qu'il y a à l'intérieur. Ce qui est intéressant à l'intérieur, c'est qu'ils disent pourquoi. C'est-à-dire qu'ils précisent que Monheim, qui est l'inspecteur général que vous voyez là à l'écran, est en fait sous l'autorité des comités des forces armées et du renseignement de la Chambre et du Congrès, et non pas sous l'autorité du comité pour la supervision de l'ensemble de l'administration. Et comme c'est le comité de supervision qui le convoque, en fait, il n'a pas à leur donner les informations qu'il demande. Je sais le seul point d'information que j'ai trouvé intéressant dans l'article. Alors, je, bon, euh, tu en sais peut-être plus que moi sur le, euh, comment dire, sur qui a véritablement autorité sur l'inspection générale. Euh, mais moi, la, la façon que j'ai eue d'interpréter l'article est légèrement différente, euh, c'est-à-dire que à le lire, on a plutôt l'impression que l'inspection générale du renseignement traditionnellement va davantage rendre compte auprès de la, 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 la commission au renseignement du Sénat et la commission au renseignement euh, de la Chambre, mais euh, j'ai pas vu écrit noir sur blanc, en tout cas dans cet article, que c'était euh, une réelle autorité exercée par ces commissions-là, mais plutôt un, une habitude, un usage. Genre, il y a davantage de relations entre l'inspection générale du renseignement et ces commissions-là. Est-ce que c'est-à-dire est euh, qu'il y a véritablement autorité de la part de ces commissions et à contrario, aucune autorité de la part de la commission de la, de la, de la supervision de la Chambre Est-ce que tu as plus d'informations non, je pense que ça fait partie du gang des huit et que la commission de la supervision n'en fait pas partie en fait. C'est-à-dire que le gang des huit, euh, enfin les membres du gang des huit, c'est-à-dire les huit membres du Congrès qui sont censés avoir accès à toutes les informations, euh, font partie de ces deux commissions-là. Oui, c'est ça. Ces commissions des forces armées et du renseignement, de la Chambre, et du as Sénat. Donc t'as quatre membres. La... C'est ça. Donc en as quatre au Sénat et quatre au Congrès. Et ils sont tous dans euh, ces commissions-là Oui, tu en as deux chaque. Tu as le président qui est d'un parti et le vice-président qui est de l'autre parti. D'accord. Mais je crois que dans, le, dans le, le gang des huit, il y a aussi le, 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 le président de l'Assemblée, non euh, bah, Généralement, il est euh, président d'un de ces. Euh... Ah tiens, je ne sais même pas si le président euh, de l'Assemblée est Je crois est pas que Mike Johnson... Il y a le président des États-Unis, c'est le neuvième. Il euh, y a peut-être... Non, il y a peut-être les présidents des partis politiques. Euh, je, je pense que c'est plus ça parce que... Euh, euh, comment il s'appelle euh, Harry Reid l'était. Alors, attends. Et il était dans le gang des 8. Mmh. Alors, le gang des 8 comprend les chefs des deux partis, ah, à la fois au sénat et à la chambre des représentants... Euh, ouais. ainsi que les présidents et les membres importants de la commission spéciale sur l'enseignement du Sénat et la commission permanente sur l'enseignement de la Chambre. C'est ça. Ouais, okay. ça. Donc euh, non, il n'y a pas forcément le, le Speaker of the House, le, le président de l'Assemblée nationale comme je le sous-entendais. Donc Mike Johnson, qui est un gland sorti un peu de nulle part et qui a été élu plus ou moins par défaut. Pas politique, hein, pas politique Non, non, ça <laughs> va, on est en France, tout le monde <laughs> s'en fout. Euh, Enfin, après, on attaque la CIA, donc... Non, non, IA, hein, donc euh... <laughs> ouais, bon, bah, écoute, maintenant qu'on a Alain Juillet qui nous protège, hein, en salle la DGSE, <laughs> franchement, qu'est-ce qu'on craint Bon. C'est bon. Alors, ensuite, on va passer au gros morceau qui est la nouvelle vidéo diffusée par Corbebel. Enfin, je sens euh... qu'on va encore pas être d'accord. Je le sens arriver à 4 euh... kilomètres. Je, je suis à peu près sûr que tu ne sais pas ce que je vais dire, pour la peine. Euh, très bien, j'espère bien être surpris. Donc, euh, pour faire simple, il hein, y a un nouveau documentaire qui est sorti dans lequel Corbel, euh, j'ai très envie de dire pour se faire bousser, je ne trouve pas d'autre terme, euh, diffuse une nouvelle vidéo sur laquelle il dormait depuis plusieurs années parce que ça lui permet de faire partie du documentaire. Et voilà, je l'ai dit. Euh, je, je pense que c'est pour ça qu'il est dans le documentaire. Euh, où globalement on voit, euh, je crois que j'ai le droit de montrer à peu près que ça. Voilà, vous avez euh, l'objet pendant 5 secondes qui se balade. Euh, puisque ça, ces images-là sont pas typiquement du documentaire parce qu'il les partage en public sur son, son compte Twitter. Et normalement, j'ai le droit légal de partager Twitter. Si la chaîne a disparu demain, c'est qu'il est pas content et qu'il a fait sauter la chaîne. D'accord. Oh, euh, au copyright, hein, on en est au troisième strike. La, la chaîne, elle peut disparaître du jour au lendemain. D'ailleurs, si vous nous écoutez, pensez à vous abonner pour être au courant de la disparition de la chaîne. Euh... c'est vachement on a, vu ça Et donc on a, donc on a ouais. une, une petite euh, petite logorée où il nous donne quelques éléments d'information. Nous publions <laughs> aujourd'hui les. Comment il parle quand même euh... Nous publions aujourd'hui les images d'une incursion d'un pan filmé par l'armée dans une base d'opération interarmée des États-Unis. Ce pan, d'origine inconnue, avait une capacité transmédium et a été officiellement désigné par les agences de renseignement américains comme un pan. Cette désignation est actuellement maintenue. Date, heure, octobre 2018, la nuit. Lieu, ces images ont été prises sur une base d'opération interarmée des États-Unis en Irak. Type d'image, thermographique, infrarouge à balayage frontal, FLIR. Description. Une incursion d'un objet d'origine inconnue a été filmée sur une base d'opération conjointe des États-Unis en Irak. Si vous avez l'impression qu'il a dit trois fois la même chose, c'est qu'il a dit trois fois la même chose. L'objet a été désigné PAN et a été suivi pendant une période prolongée. L'objet s'est déplacé dans une installation militaire sensible et a finalement traversé un plan d'eau où il a effectué une descente contrôlée en s'immergeant dans l'eau. Après, après une période d'observation d'environ 17 minutes, le pan est ressorti de l'eau et a décollé à une vitesse extrême, au-delà de la portée optique de la plateforme d'observation. L'origine, l'intention. Et la capacité du véhicule aérien normal reste inconnue. La désignation officielle reste pan. Détails supplémentaires rapportés par des témoins oculaires directs et par ceux qui ont eu accès aux images brutes. Le pan avait une capacité transmédium il a été filmé en train d'entrer dans l'eau avec une descente contrôlée. Le pan est sorti de l'eau environ 17 minutes plus tard et s'est orienté vers un vol directionnel soudain et rapide au-delà de la portée optique de la plateforme qui le surveillait. Le pan était peu observable. Le pan n'était pas visible en vision nocturne, infrarouge, et semblait brouiller la capacité de ciblage de la plateforme optique. Le pan présente une portance positive sans les moyens aérodynamiques normalement associés à la portance et à la poussée. Les signatures généralement associées aux manœuvres de propulsion observées étaient absentes. Voilà, ça c'est les informations en gros qui sont données à l'intérieur du documentaire. Guillaume, qu'as-tu pensé de ce magnifique film dont je vous mets le lien en description dans le chat pour que vous voyez de quoi on parle Tu parles du documentaire ou de la vidéo de, du pan en question Non, juste le pan. Euh. Bah, écoute, n'étant ni un expert de, de l'imagerie militaire, euh, ni devin, euh, je ne peux avoir qu'un qu un, qu comment qu commentaire illimité sur la question. Je vois un truc qui me semble étrange. Je ne vois pas une tâche sur l'objectif, comme certains ont essayé de, de le dire. Ça me paraît débile, comme... Euh, veux dire, regardez la vidéo, vous, vous ferez votre avis. Non, c'est pas une tâche sur C'est l'opinion de Philippe Fabry, hein. Je suis désolé Philippe Fabry, mais non, c'est pas une tâche sur l'objectif. J'aime beaucoup Philippe Fabry. Mais, euh, euh, mais non, R regarde la vidéo au moins pendant une minute, tu vas voir que le machin, il change de position sur l'écran. La tâche, elle ne change pas de position sur l'écran. Je suis désolé, ce n'est pas comme ça que ça marche. Une tâche, je le sais, j'ai des lunettes, j'ai des tâches sur mes verres. La tâche, elle reste toute la putain de journée. Bon, bref. Euh, donc non, pour moi, c'est un véritable objet, il est véritablement là. La question, c'est, est-il anormal si il se déplace euh, sans sans et sans moyen de propulsion apparent, après on peut dire que c'est normal. Euh, après, euh, l'attaque la, classique des, des, des sceptiques, c'est de dire oui mais attention à l'effet parallaxe, c'est-à-dire euh, quand votre caméra, parfois on a un objet qui se déplace sur le sur le sur le paysage derrière, on a l'impression que le paysage que le que l'objet se déplace, mais en fait non, c'est la caméra qui change d'angle. Je veux bien, mais il me semble que euh, la vidéo est trop longue ici pour qu'il s'agisse d'un parallaxe. Le machin, il se déplace de trop, donc je ne pense pas qu'il s'agisse déjà d'un objet statique. Donc c'est un objet qui se déplace dans l'air. Euh, alors après des objets, des objets, qui se déplacent dans l'air sans elle, ça existe bien sûr. Les ballons, les ballons, ça peut se déplacer dans l'air. Et sur les gendarmes et sur les... d'accord, et sur les gendarmes euh, je suis quand même interpellé par la, la tronche du machin, je veux dire j'ai déjà vu des ballons dans ma vie hein. je suis allé à Disneyland et ailleurs, j'ai jamais vu de ballon qui ait cette tête là, après on donne la forme qu'on veut au ballon bien entendu, je suis d'accord mais enfin bon, c'est vous voyez, il y a plusieurs couches comme ça qui s'additionnent et qui font que le, le machin me semble anormal euh, on entend parler du fait que euh, de la bouche de Jérémy Corbel. Euh, et d'ailleurs, tu viens de, de, de le relire. Voilà le bilule. Euh, apparemment, l'objet était visible à l'infrarouge, mais pas à l'œil nu. Et on voit dans la vidéo que l'objet passe euh, vraiment assez près de deux piétons qui sont sur, le, sur la vidéo. Et les piétons, ils n'en ont rien à carrer. Alors vous me direz, si c'est un ballon, les piétons, ils n'en auront rien à carrer. Je veux bien, mais moi, même si c'est un ballon, je vois un truc qui passe au-dessus quand même, je lève le nez. Bon, là, on est dans la spéculation. J'étais pas sur place. Et ce sont mes impressions personnelles sur cette vidéo. Et je sens que tu vas te faire un plaisir de, de te montrer sceptique. Mais tu m'as dit que je ne savais pas ce que tu allais raconter. Alors, je ne veux pas faire de mauvais procès. Je t'écoute. Quelle est ton analyse Alors, euh, vous savez, sur cette chaîne, on ne tisse pas. Enfin, si on tisse de temps en temps pour se faire plaisir, mais on ne tisse pas pour le, le clic. Donc à mon avis, cet objet, pour l'instant, il est encore inconnu. C'est-à-dire que oui, il y a plein de théories qui traînent, mais aucune théorie, quand on demande vraiment aux experts de ces théories, euh, ne tient vraiment la route. Alors, euh, si on donne les, les, les points forts de chaque euh, hypothèse, la tâche techniquement ce serait pas trop bête parce que en fait sur les pods de ciblage vous avez une sorte de globe semi-transparent qui est à l'avant et qui protège la caméra qui elle peut se déplacer donc si vous avez une tâche non pas sur la lentille de la caméra mais sur le globe de protection à l'avant la caméra peut elle bouger et par contre la tâche rester par contre ce qui colle pas c'est que dans cet effet là la tâche est extrêmement euh, floue c'est-à-dire que ça vous fait une sorte de voile euh, plutôt que quelque chose qui est un objet qui est alors on est d'accord c'est de la bouillie de pixels mais même au niveau bouillie de pixels on voit qu'il y a plein de petits détails à l'intérieur et donc dans une ce cas -là, nouille, la distance, assez net, hein, quand même hein. c'est ça dans les rangs de on a on est eu pire hein, dans, les... dans les vidéos ah, oui. de temps, euh, ça reste de la bouillie de pixels donc on n'arrive pas exactement à savoir comment c'est foutu à l'intérieur mais il y a des éléments d'information et ce n'est pas cohérent avec des pixels morts. Et là, pour la peine, on arrive à la deuxième hypothèse, qui est que ce soit un défaut de la caméra. Dave Fulch, qui est euh, un des seuls euh, techniciens assermentés FLIR euh, qui s'intéresse au sujet, considère que pour lui ce serait parfaitement euh, anormal d'avoir ce type de défaut-là sur une caméra et c'est aussi corroboré par un témoin qu'on a euh, eu sur place dont on parlera tout à l'heure qui a déclaré que ça ne correspondait pas à un défaut de capteur troisième point ça pourrait être des ballons le problème si, excuse-moi côté... excuse-moi juste une dernière oh. euh, dernier mot sur cette histoire de tâche. Euh... Si s'agit d'une tâche, heures. oui, d'accord, mais si s'agit d'une tâche, c'est une tâche, une tâche qui, qui se réduit, qui s'agrandit à mesure que la vidéo avance. C'est pas possible. Non, mais on est d'accord qu'il y a. Y a, y a pas une tâche. Que ce soit une tâche. Il faut, faut faire gaffe aux absolus sur le sujet. Non, euh, mais, au bout d'un moment, il faut, faut arrêter. De, je suis sais quand on commence à, à rajouter précaution. des quatrièmes dimensions d'espace. Euh... <laughs> oui, d'accord. Bon, Bref, c'est pas une tâche. Allez, on fait une tâche en quatre dimensions, hein, tu sais pas. Euh, D'accord. <laughs> euh, alors, du coup, j'ai perdu le fil, on en était au ballon. <laughs> C'était uniquement pour te faire perdre le fil, en fait. Mais tout à fait. Hein. T as t as tout fait compris. Je sens l'agression. Je sens l'agression. Ouais, ouais. Euh, donc, par rapport au ballon, le ballon est intéressant parce que ça correspond à pas mal de choses qu'on voit. Il y en a qui disent qu'il y a des variations euh, de température de l'objet puisque la, la couleur qu'on voit de l'objet n'est pas du tout sa couleur, c'est simplement la radiation thermique qu'il émet et donc sa température. Cependant, quand on regarde les variations de température de l'objet par rapport au à l'endroit qui est filmé par la caméra, on a l'impression d'avoir une corrélation entre les deux. Donc le changement de température pourrait en fait du pourrait être en fait dû au facteur de contraste automatique qui euh, cherche à renforcer en permanence des éléments significatifs de l'image euh, en supprimant des détails. C'est un peu le, une balance entre les deux. C'est-à-dire que quand vous avez un dispositif militaire, vous en fichez de savoir quel sont le, le nombre de rivets qu'il y a sur le tank que vous avez en face. Ce que vous voulez, c'est que votre système d'armement vous montre bien en évidence le tank que vous avez en face. Et donc, il va augmenter le signal en perdant des détails mais en rendant l'objet que vous visez beaucoup plus visible pour que vous puissiez la nier, nier et le descendre. Donc là, on n'est pas devant Quelque chose qui cherche à avoir beaucoup de détails, on est devant quelque chose qui cherche à repérer euh, très rapidement des objets qui peuvent être des drones armés et ensuite activer des systèmes de défense et d'alarme. Donc ça explique l'absence de détails absolu qu'on a à l'intérieur, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une dégradation de l'image, c'est juste que le capteur n'est pas fait pour filmer en, 4, euh, en, en HD ou en 4K, ce n'est pas à ça qu'il sert. Cependant, ce qui fait vraiment un coup à la thèse du ballon, c'est que la trajectoire est vraiment rectiligne quand on la recompose et que la vitesse est assez constante. On n'a pas non plus de changement d'altitude et on n'a pas les, les mouvements qu'on pourrait s'attendre à euh, des ballons qui sont liés euh, entre eux. C'est-à-dire que vous avez des courants d'air en permanence dans l'air, vous avez des objets euh, qui sont reliés entre eux, qui vont chacun avoir une... une, une une euh, résistance au vent différente en fonction de la forme puisqu'on voit là en plus que si ce sont des ballons ils ont des formes différentes et donc on devrait voir beaucoup plus de mouvements que ça on verrait aussi euh, ces ballons si on dans les infrarouges proches c'est-à-dire qu'on nous décrit que ces objets ne sont pas vus par les euh, jumelles euh, de vision nocturne en infrarouge proche in, cet objet n'est vu que dans les infrarouges lointains ce qui pose là aussi question donc pour moi, tous ces éléments mettent vraiment du, du, des clous dans le cercueil de l'hypothèse des, des ballons. Malgré le fait que visuellement, je comprends tout à fait que les gens penchent sur des ballons en première approche. Parce que euh, si vous n'avez pas l'habitude de voir des ballons en flir, euh, bah, Dayfault, lui, dit, dit clairement, il y a très, très très peu de chances que ce soit des ballons. Et lui, il a littéralement mené des expériences de filmer des ballons dans différents environnements en flir en lointain. Donc là, il faut vraiment aller contre votre instinct qui cherche à vraiment faire euh, une sorte de pareil de lit, c'est-à-dire que vous cherchez quelque chose dans votre mémoire qui ressemble à ce que vous voyez à l'heure actuelle pour euh, effacer l'étrangeté de l'objet que vous êtes en train de regarder. Du coup, on arrive euh, au fait que ce soit vraiment une anomalie, ce qui, je pense que pour l'instant, ça reste une anomalie. Je ne vois pas d'hypothèse qui permette vraiment d'expliquer tous les critères en même temps de façon euh, confortable. Par contre, la façon dont c'est diffusé, le contexte des informations, la source d'où ça vient, tout ça met une caution, mais énorme, sur la qualité des informations et le descriptif de ce qui s'est passé puisqu'on a déjà des contradictions qui sont apparues par rapport au récit officiel entre guillemets, que euh, retransmet euh, notre très cher ami Corbel. Et donc on va aller faire un tour du côté de nos amis de Betabunk, qui ont fait un travail sérieux hein, sur le sujet pour la peine. On ne peut pas dire qu'ils soient neutres, mais en tout cas, ils essayent de trouver des arguments techniques qui puissent être euh, réinterprétés et euh, qui permettent de se mettre d'accord. Et euh, parmi les arguments qu'ils ont trouvés, il y en a un qui nous vient, alors là, d'une figure, mais alors que je n'aurais pas. Alors là, je, je, je ne pensais pas que j'allais parler de cette source-là. Essaye de trouver quelle est la source que Metabunk a trouvée. Tu la connais. Tu la connais. Tu la connais tr très, très bien. Tu la détestes. C'est. C'est surprenant de le voir sur Metabunk ou pas Ouais, 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 c'est très surprenant de le voir sur Metabunk. Neil de Grasse Tyson Non. <laughs> je ne peux pas être loin. Je le déteste. Je déteste. Je déteste personne. Je, moi, Baptiste, enfin. Que tu le dé... non, lui, je pense que tu le détestes. Je sais pas. Mike Turner <laughs> Non. Euh, Hitler Franchement, là, je les ai à peu près <laughs> tous cités. Hein. Hein Ce que j'aime pas, euh, on se rapproche très, très cher. Dernière chance. Attends, attends, attends. Parce que là, là, tu, 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 <laughs> tu me titilles là. Ah, quand tu vas entendre le nom, tu vas, tu vas. Rester bon allez, vas-y, dis-nous, dis-nous. C'est notre très cher Steven Greenstreet. Oh putain, il existe encore lui. Ah, oh, mais... <laughs> ouais, t'as raison, je peux pas le pied ouais, ah, dit Ah, je l'avais dit. Vrai. Il en restait un. Hein, il y avait Hitler. Je savais qu'il en manquait un. Hein. <laughs> <Et rire> C'est Greenstreet. <laughs> Et donc, bon, euh, notre très alors... cher Green Street a trouvé euh, un, euh, un soldat qui a été sur place euh, quelques mois après que l'engin ait été filmé. Et en fait, il raconte que euh, c'était une vidéo qui servait un peu d'histoire de fantômes dans la base militaire et qu'on montrait à tous les nouveaux euh, pour euh, se faire un peu euh, peur euh, la nuit. Alors, je déconne pas, c'est comme ça qu'il le raconte. C'est des soldats, les mecs. Enfin, bref. Euh, donc, euh, ce qui est euh, en un sens intéressant, c'est que lui conforte le fait que l'événement se soit bien déroulé. Euh, il conforte bien l'endroit où ça s'est passé, euh, le fait qu'il y ait une, une traçabilité de la chose. Lui ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit anormal. Il pense que c'est une explication prosaïque, même si il ne sait pas quelle, quelle explication prosaïque permet de l'expliquer. C'est-à-dire que lui aussi démonte la plupart des, euh, des hypothèses, mais il n'arrive pas non plus à expliquer quel est cet élément, lui pencherait pour un défaut de capteur, mais en parlant à l'équipe qui était chargée de ce dispositif de captation, euh, l'équipe lui a bien dit que non, c'était impossible qu'un défaut de capteur fasse ça. Voilà, donc on peut remercier Steven Greenstreet d'avoir mis la main sur cette source-là. Oui, mais au moins, non, mais attends, ça corrobore je... la réalité de la vidéo. Parce que moi, ah, déjà, la vidéo, j'en étais vraiment pas sûr, tu vois. Quand ça sort de cordel, il faut prendre des très très grosses pinces. Attends, je suis désolé. Tu peux pas mettre euh, Corbel et Green Street sur le même plan de crédibilité, c'est pas possible. Green Street, euh... enfin, je veux dire, on sait que le mec a été payé par le gouvernement pour faire de la propagande. Il l'a dit lui-même. Enfin, à partir de, de ce moment-là, il faut pas écouter ce que dit Green Street, c'est du poison. Là, tu... Green Street dit, ouais, cet objet a bien existé. Ouais, Corbel a raison, il est bien anormal. Ouais, enfin. C'est marrant parce qu'il a une façon de, de tourner le truc. Son bonhomme dit Je pense que c'est prosaïque. Je ne sais pas ce que c'est. Mais je pense que c'est prosaïque. Bah, si tu sais pas ce que c'est, tu ne penses à rien. C'est enfin, oui, une -ce façon opinion. de présenter les choses. Merde. Il a le droit d'avoir son opinion. Oh là là, tout de suite. Non, mais moi, dès que tu parles de Green Street, c'est vrai, j'ai <laughs> tendance à, au vif. à. Mais oui, mais parce que je veux dire, il faut arrêter de parler de ces gars-là. Mick West et Green Street, c'est des, des gens dont on sait qu'ils ont. Euh, comment dire, qu'ils ont un message, toujours le même, et que chaque chose qu'ils disent et qu'ils écrivent, c'est dans le but de faire passer ce message-là. Donc il, il faut arrêter de, de, de leur donner du temps d'antenne, parce que c'est une perte de temps, euh, c'est leur donner de l'importance, et c'est nous, nous faire perdre du temps à ceux qui essaient vraiment de comprendre ce qui se passe. Donc je, je trouve qu'on ne devrait même pas parler de ces gens-là. Voilà, mon opinion. Alors, sinon, dans Metabank, ils sont en train de bosser sur le sujet. Ils font des estimations de taille pour savoir à quoi ça correspondrait. Et ils pensent que, bah évidemment, ça fait une, une variable par rapport à la distance de l'objet qui est inconnue. Mais globalement, ils sont en train de tabler sur quelque chose qui serait entre 2 et 3 mètres de haut. Alors, il y a peut-être quand même un, un, un élément qu'on pourrait évoquer. Là, on fait comme si. Euh, euh, c'est, une, ça sort de nulle part, mais, mais le concept d'OVNI en forme de méduse, aussi dingue que ça puisse paraître, c'est pas la première fois qu'on en entend parler. Euh, c'est une forme qui a déjà été, euh, été évoquée par le passé, et sans même parler de méduse, parce que ça fait, ça fait bizarre hein, de décrire ça comme une méduse volante. Bon, euh, je repense aussi euh, à l'incident de janvier ou février dernier, quand on a eu quatre objets. Euh, qui euh, sont apparus dans l'espace aérien des États-Unis, dont deux, si j'ai bien compris, d'après le, le Pentagone, ont été abattus, plus ou moins. En tout cas, on leur a tiré dessus. L'un des objets, Dixit, l'un des pilotes de chasse qui a été envoyé à sa rencontre, euh, avait des bidules qui pendouillaient en dessous. Mm. Voilà, quand on regarde l'objet, bah, il s'agit d'une un, masse avec des bidules qui pendouillent en dessous. Donc voilà, est-ce que. Il peut y avoir un rapport. Est-ce que ça peut être cet objet-là, ce genre d'objet-là Je ne sais pas, mais je trouve que, euh, en tout cas, c'est pas la première fois, voilà, qu'on entend parler de cette, ce genre de forme-là. Non, c'est tout à fait vrai. Et ça fait aussi partie de, de des, des phénomènes qui sont cachés derrière la vallée de vallée. C'est-à-dire ah, que vallée. ce sont des phénomènes qui sont étranges et qui ne sont pas forcément associés à un ovni, parce que ça ressemble pas à un vaisseau et ça ressemble pas à une soucoupe. Et du coup, euh, les gens, quand ils les rencontrent, ne pensent pas que ça puisse être un ovni, et du coup, ne le rapportent pas. Et du coup, on a. Euh, euh, un phénomène dans les, les, dans les rapports de, de témoins où si culturellement c'est identifié comme étant une forme d'ovni, bah on va avoir plus de, de témoignages. Alors que si c'est un truc qui est vraiment étrange, bah en fait on aura moins de, de témoignages, non pas parce que ça existe moins, mais parce que le, le témoin comprend même pas qu'il a vu un ovni, en fait. Ouais. Mais oui, oui okay. il y a eu dans la littérature, il y a plein, plein, plein euh, d'exemples. Enfin, on va arriver euh, à la partie euh, la plus bourrine de la soirée. Alors là, quand je... Mais quand je l'ai vu tomber, je me suis dit, oh, c'est fantastique. Je... Là, j'ai regretté sans rire de ne pas avoir commencé un doctorat en sociologie sur le sujet, parce que ça aurait fait... Je l'aurais eu automatiquement. On, on a eu la création d'un fœtus de religion euh, pendant cette, euh, cette période. Et je, je, je mâche mes mots. Carrément vous allez, Ah non, vous allez, vous allez voir pourquoi. Très franchement, hein, c'était très portrait, enfin lettre pour lettre, ce qui était écrit dans American Cosmic de Diana Pasulka, quand elle disait que ce phénomène, par son étrangeté, pouvait générer très très facilement des systèmes de croyances qui allaient aboutir à de nouvelles formes de religions, sauf que ce seraient des religions appuyées sur des témoignages réels. Le problème là, c'est que euh, le témoignage n'est absolument pas anormal, c'est juste un effet d'optique qui donne l'impression que le truc est très grand. Je, je vais vous le montrer en deux secondes, vous allez voir, c'est super simple. Donc, d'où vient l'histoire euh, je montre peu les images à l'écran parce que en fait, on je me suis rendu compte que si je laisse trop longtemps des médias qui, ont, euh, qui sont euh, monétisés à l'écran, ça envoie une alerte YouTube aux médias qui peut monétiser à distance ma vidéo et récupérer les, euh, le pognon. Donc c'est pour ça qu'il y a des fois des vidéos mmh. où euh, bah, on n'a pas activé la monétisation, mais c'est en fait c'est la source qui a activé la monétisation sur nous et qui absorbe le, le revenu. Donc, pour ça ah, ça je... alors ça, ça, ça... ouais. Euh... Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on est euh, à, la, à la nouvelle année, euh, au fait de fin d'année, et on a en fait une, un conflit qui éclate entre des bandes de jeunes qui utilisent des feux d'artifice dans un euh, centre commercial. Je vous rappelle qu'on est dans une situation géopolitique qui est très très tendue. Que les États-Unis, leur peur panique, c'est les attentats terroristes. Et là, vous vous mettez à avoir des appels à l'aide parce qu'il y a des explosions dans un centre commercial. Donc là, je peux vous assurer qu'au niveau des forces de sécurité, personne ne rigole. Et dans la vidéo qui, est, qui a été diffusée ensuite par les forces de police de Miami, il y a l'explication qu'ils ont utilisé le code qu'ils appellent le code 3, qui est en fait l'appel à toutes les unités valables immédiatement sur place. Sur place, il y a 50 personnes qui sont en train de s'allumer la gueule à coups de mortiers euh, de. de de, de, de mortiers pyrotechniques. Euh, si vous avez suivi les actualités en France, vous savez que même en France, dans les banlieues, on a eu des sièges de commissariats avec des mortiers et tirs de mortiers pyrotechniques pour bloquer les policiers intérieurs et honnêtement le foutre le fou au commissariat. Donc, ce sont vraiment des éléments dangereux euh, qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Hein. Vous prenez un coup de mortier dans la gueule euh, quand c'est pyrotechnique, euh, c'est ça fait énormément de dégâts. Donc on a la police qui arrive sur place pour empêcher l'émeute, on a les rapports de police, on a les arrestations sur place avec les personnes qui sont quasiment toutes mineures, ce qui est très flippant, je trouve, personnellement. Euh, et euh, par contre, on a un hélicoptère qui survole la zone et qui filme une image. Et ensuite, on va avoir, à partir du moment où cette image est diffusée, pas avant, hein, à partir du moment où cette image est diffusée et où la rumeur se répand que quelque chose était vu, là, on va avoir des pseudo-videos de TikTok qui vont apparaître disant ⁇ Oui, moi, je l'ai vu ⁇ Et c'est exactement comme ça qu'on crée une religion. Il y a des apôtres qui se sont auto-nommés comme étant euh, témoins de cela. Et en fait, tout ce qui existe de ça, c'est... Euh, je vais faire un zoom. Est-ce que je peux faire un zoom dessus c'est un point de données. Tout tout repose sur cette petite zone grisâtre. Ouais. Ça Alors, regardez bien la taille de ça. ça là c'est une ombre sur le sol, ça c'est ce qui nous intéresse et ça c'est une autre ombre sur le sol. et vous voyez les trois bandes là qui ont l'air d'être des rambardes. Vous avez les voitures là et en fait quand votre œil compare la taille de la voiture, avec la taille de ça, plus l'ombre, plus les rambardes qui ont l'air d'être des étages, lui, il interprète la situation comme un objet qui est grand et posé sur le sol. Je suis allé chercher l'endroit où ça a été tourné, et c'est ici. Regardez la taille des étages. Ah, vous ne voyez pas sur l'écran. Euh, voilà, c'est ça. Ça a été filmé à cet endroit-là. Les trois étages, c'est les trois pauvres marches de 10 cm que vous voyez là. Et là, vous Et avez quelqu'un qui est juste à côté. Vous le mettez là-bas, vous rajoutez une ombre au sol, une ombre devant, vous avez exactement l'image que vous avez ici. C'est juste Du coup, je ne co comprends pas l'image qu'on a vue avec la, la bagnole de police, parce que du coup, elle a ridiculement petite si, si on compare avec les marches que tu as montrées là. Attends. Non, regarde. C'est juste que les marches sont très très larges et très peu hautes. Ah, elles sont larges en fait, ce qu'on ne voit pas bien sur l'autre photo que tu as montrée. C'est ça. Ok, d'accord. <laughs> ok. Good job Baptiste. C'est juste un effet d'optique dû euh, à, à l'orientation ah oui, okay. de, de la caméra. Oui, d'accord. C'est tout plat en fait. Ouais. Voilà donc euh, oui, les, les images. Euh, pff, de toute façon, faut se méfier. Puis, je ne sais pas si euh, beaucoup d'entre vous euh, traînent sur Twitter, mais tous les jours, on voit des photos prises genre, sur la surface de Mars ou de la Lune, et, et vous avez plein de gens qui ils a regardent. C'est clair, on voit un visage et tout. Alors que c'est quatre cailloux qui se battent en duel avec une ombre au milieu. On a l'impression que, que ça fait un œil. Euh, bref, on peut voir plein plein de choses sur plein de clichés euh, alors qu'il n'y a rien. Euh, donc euh, une photo seule, euh, 4 pixels, ça ne suffit clairement pas à être interloqué. Il faut qu'il y ait des personnes euh, derrière, des, des témoins euh, divers et en qui on peut éventuellement avoir confiance. Bref, faut il ait, faut qu'il y ait des raisons d'être inter interpellé. Et une image, euh, 3 secondes de vidéo, ça ne suffit pas. Mais on, voit, on a vu dans ce cas-là que la panique gagne très rapidement. Euh, la population ou une partie de la population, ce qui aurait tendance à donner euh, de l'eau au moulin de, de ceux qui s'imaginent qu'il ne faut surtout pas que le sujet des ovnis soit trop abordé, parce que ça pourrait créer une panique dans la société. Moi, je crois pas trop. Que ça en mais en fait, bon. Parce que maintenant, on a un phénomène qu'on appelle le cloud, qui est que les gens cherchent absolument à faire des vidéos qui soient virales. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la monétisation sur TikTok, de mémoire, c'est un dollar par 1000 vues. Quand vous commencez à avoir des millions de vues sur une vidéo qui montre une connerie, c'est des dizaines de milliers d'euros que vous envoyez à la personne qui a fait la vidéo. Et donc, on a une compétition pour faire des vidéos les plus virales possibles, quelle que soit la légitimité de l'information qui est montrée. Et. En ce moment, il y a une épidémie de vidéos de Miami qui montrent des faux extraterrestres se balandant ou créant des, des faux artefacts de caméra sur des vraies images qui ont été tournées cette soirée-là pour juste faire du clout et récupérer des fonds en fait par la publicité intégrée à TikTok. Donc, j'ai passé deux heures hein, à, tout, à toutes les regarder pour voir si on avait même une qui serait intéressante. Elles sont toutes pourries, mais c'est des, des effets spéciaux des années 80-90. C'est n'importe quoi. Donc euh, même X-Files, ils n'auraient pas osé le faire. quoi. C'est euh, à ce niveau-là. Pourquoi bah Parce que c'est des vidéos sur TikTok qui durent 5 secondes, et du coup le cerveau des personnes n'a pas le temps de se dire, bah, je vais faire un arrêt sur image, regardez euh, les éclairages, regardez comment est-ce que l'objet est structuré, et puis dès que vous arrêtez euh, la vidéo, en fait, vous comprenez que non, c'est des conneries. Donc voilà, euh, là, pour la peine, pour moi, c'est vraiment à la fois l'information la plus pourrie de la soirée, mais aussi la plus intéressante. Parce que là, c'est en train mais, de littéralement créer un culte, et on parlait des sectes il euh, y a deux émissions, où les gens... Qui de l'extérieur n'ont pas cette perception de la nature des informations croient qu'il s'est vraiment passé quelque chose et qu'il y a un complot qui est là pour euh, empêcher qu'on en parle et on, on est devant cette aberration absolue qui d'un côté va pousser des personnes qui sont trop croyantes à le croire encore plus et à tomber encore plus loin dans le terrier du lapin, et de l'autre côté, les sceptiques qui vont faire exactement la même chose que moi et qui vont se foutre de la gueule de la moitié de la planète parce qu'ils n'ont pas été capables de faire une recherche sur Google Maps. Et, et on va encore augmenter la différence entre les deux. Et faites très, très attention parce qu'il y a un vrai... Euh, conflit monétaire derrière, c'est pas juste des personnes qui euh, sont fans d'extraterrestres et qui veulent en voir partout, c'est que là il y a vraiment du pognon qui est à la clé si vous arrivez à faire devenir votre vidéo virale. Euh, je, 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 je ne peux que vous encourager à faire extrêmement attention à ce type de médias. Tout est dit. Bien, mes très chers checkers, j'espère que vous avez apprécié la soirée. Guillaume, merci beaucoup de ta compagnie. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Ça a été un réel plaisir de te retrouver en français ah, ce soir. Oh, Ça faisait un sacré bout de temps. Effectivement, c'était un plaisir. Salut tout le monde. Le, le mot de la fin Barbiturique. In no way connected. From outside this world. Right? And that's just a truth. The government has made contact with intelligent extraterrestrials.